Je n'ai pas le temps pour l'instant, Mila et Marfel. S'il te plaît, papa. Plus tard, c'est promis. Oui. Tante Augustine. Bonjour, mes chéris. Regardez ce que j'ai trouvé dans le grenier. Oh, qui est-ce? C'est moi et ton daddy quand nous étions petits. Hein? Je regarderai plus tard. Je suis trop occupée pour l'instant. Tu peux la garder. Le passé, c'est du passé. À plus tard. Merci, je l'adore. Papa. Oui, papa avait l'air amusant, petit garçon. Le passé, c'est du passé. Mais on peut utiliser la magie de Maître du Temps pour y aller. Maître du Temps, s'il te plaît, emmène-nous à l'époque où papa était petit garçon. Oh, regarde, c'est papa quand il était petit garçon, il a besoin de notre aide. Marfel, transforme-toi en pelleteuse pour le déterrer. Oui. Je jouais juste à cache-cache. C'est mon jeu préféré. Pardon, papa. Hein? Je m'appelle Louis. Et moi, je suis sa grande sœur Augustine. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mila et voici mon animal magique Marfel. Il peut se transformer en tout et n'importe quoi. Wow! C'est génial! J'ai jamais vu ça! Que je peux essayer? Bonjour. Papa, Tati. Louis et Augustine, qu'est-ce que vous faites ici? On voudrait jouer encore un peu. Oui. Tu as vu celle-là? Alors, qui veut jouer maintenant? Que dirais-tu de jouer à cache-cache, Louis? Enfin, je veux dire papa. C'était mon jeu préféré. Tante Augustine a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un de grand et de fort pour porter tous les ingrédients de son gâteau. Voici une liste de ce dont j'ai besoin, Marfel. Oh, c'est toi, Orfel. Papa a dû t'envoyer à la place. Ce sera donc lourd, alors... Bonjour, tante Augustine. Nous sommes venus chercher ta liste pour le gâteau. Je l'ai déjà donnée à Orfel. Oh, oh. Orfel a la liste de tante Augustine. Allons voir ce qu'il prépare, Marfel. Besoin d'œufs. Besoin de lait. Ah!
Voilà, Mila et Morphle. Je suis vraiment contente de vous voir. Salut, Philippe. Qu'est-ce qu'il y a? Je donnais à manger aux cochons et quelqu'un a mis le bazar dans la ferme. Beau travail des détectives, Morphle. Je pense qu'Orphel a mis le bazar dans la ferme et a volé les ingrédients du gâteau de Tante Augustine. Nous allons t'aider. Morphle, transforme-toi en grue pour réparer ça. Morphle, transforme-toi en chien de berger. Transforme-toi en balayeuse pour enlever la farine. Bon travail. Merci, Mila et Morphle. Vous êtes les meilleurs. Vous avez besoin de quelque chose d'autre? De la farine. Mais on a tout balayé. Pas tout. J'ai encore 2 sacs dans la grange, mais ils sont très lourds. Morphle, transforme-toi en robot. Deux Morphle? Eh bien, lequel a mes ingrédients? Je ne peux pas faire attendre le maire plus longtemps pour le gâteau. Je dois commencer à le faire cuire maintenant. Ce n'est pas la faute d'Orphel, Tante Augustine. Il essayait juste d'aider. C'est peut-être vrai, mais que dois-je faire maintenant pour le gâteau du maire? Oh, Mila, ma chérie, il y en a assez pour 2 gâteaux. De fabriquer Elbot pour la foire scientifique. Elle est la meilleure pour aider. Bien joué, Mila et Morphle. Ah, c'est donc là que sont passées mes vieilles lunettes. Oh, te voilà, Teki. Animal magique aussi? Oui. Teki a le pouvoir de contrôler tout ce qui marche à l'électricité. Et il sait aussi tout réparer. Oh, non, 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 non. Oh. Bonjour, Mila et Morphle. Prêt pour la foire scientifique? Salut, Enzo. Oui, nous avons fabriqué Elbot. Regarde. J'ai fait un robot aussi. Un robot super-héros. Il s'appelle Truffle. Le robot d'Enzo est meilleur que le mien. Il est sûr de gagner à la foire aux sciences. Ok, Teki, tu peux la réparer? Elle a besoin d'être vraiment utile. Encore fait, les enfants. Oh oh, Morphle, transforme-toi en super-héros. Je voulais juste promener Barky. Avec plaisir. Thank you.
dire quelque chose. J'ai utilisé l'animal de compagnie magique Teki pour réparer Elbot. Je n'aurais pas dû, c'était de la triche. Je veux la réparer moi-même. Tu veux bien m'aider? Bien sûr. Le trophée de la première place à la foire scientifique revient à Enzo pour son incroyable robot super-héros transformable. Merci. Il n'y a pas de quoi. J'ai hâte d'utiliser mon nouvel appareil photo, Mila et Morphle. Je vais prendre une photo de toute la famille et l'accrocher au mur. Et nous allons faire en sorte que tout le monde soit beau. Morphle, change-toi en éléphant. D'accord. Comme ça, tout le monde peut prendre sa douche. Tout ce que tu voudras, Winston. On va le voler. Alors, où est le bouton? Oh oh, Toot, qu'est-ce qu'il y a? Hé, hey, ils ont volé le nouvel appareil photo de papa. Comment vais-je faire pour prendre ma fameuse photo maintenant? Appareil photo. Merci beaucoup à vous deux de l'avoir récupéré. Maintenant, on peut enfin prendre cette photo. Mais j'ai perdu une dent. Je ne veux pas gâcher la photo. Ne dis pas de bêtises. Ta première dent de lait, c'est un jour très spécial. Et tu sais quoi? Bientôt, il poussera une toute nouvelle dent à sa place. Vraiment? Tout le monde dit dent de lait. Attendez, c'est pas une mouche sur mes lunettes? J'ai hâte de jouer avec nos amis, Morphle. Oui! Ah! Ne mange pas, s'il te plaît! Mange plutôt ce chien! Non, pas Barky! Qu'est-ce qui se passe? C'est juste Morphle. Il s'est sûrement transformé en dinosaure effrayant pour faire peur à April et Troy. Ce n'est pas très gentil. Veux-tu bien redevenir normal? Tu n'arrêtes pas d'éternuer.
transformations sont incontrôlables, Orphel. Je crois que tu as attrapé le rhume des animaux magiques. Hein? Il faut te soigner avant que cela n'empire. Papa peut te donner des médicaments au centre des animaux magiques. Non, pas médicaments. Orphel, pas malade. Orphel veut jouer. Voilà pour vous. Une glace extra large avec son cône délicieux saupoudré de sucre coloré. Je ne vois plus rien. Vilaine souris, ce n'est pas pour toi. Morphle a bien attrapé le rhume des animaux magiques. Ce médicament devrait le guérir rapidement. Imagine que c'est une délicieuse crème glacée. Je crois que Morphle a aussi attrapé le rhume des animaux magiques. Hein? Salut, Mila et... Morphle, il semble que j'ai la grippe et je suis incapable de travailler. Est-ce que nous pouvons vous aider, Monsieur Joe? Morphle aide. Ces véhicules doivent être livrés à leur propriétaire rapidement, mais... Arrête! J'avais cette liste... Mais je pense qu'on peut encore trouver une solution. Morphle, transforme-toi en un énorme camion rouge. Je pense que le tracteur doit aller à l'officier de police Freeze. Officier police Freeze a besoin de tracteur? Oui, je crois que c'est ce qui est écrit sur la liste. Mais ça... Je suis désolée, officier de police Freeze, mais nous sommes pressés. Ha 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 ha
Oh non, je pense que nous avons fait une erreur, Morphel. Transforme-toi en voiture de police aussi. Morphel les attrape. Maintenant, essayons d'utiliser nos cerveaux et d'amener les véhicules au bon propriétaire. Je crois que ce tracteur appartient au fermier Bob. Et le camion de glace doit appartenir au marchand de glace. Ouais. Salut, Mila et Morphel. Comment ça s'est passé? Tout a bien été livré, Monsieur Joe. Super. Est-ce que la liste a été utile? Eh bien... Tu as besoin d'aide, papa? Morphel peut se transformer en toutes sortes d'outils. Oh, ce serait super. C'est beaucoup de travail de construire un cabanon. Waouh! Ça a l'air super, Morphel. Par contre, c'est un peu petit. Ne t'inquiète pas, on peut l'agrandir. Pas vrai, Morphel? D'accord. Alors je vais commencer à peindre l'intérieur. Ah! Voilà qui est parfait. C'est l'heure de faire une pause. Et si nous ajoutions une autre partie, Morphel? Comme ça, papa aura encore plus d'espace. Qu'est-ce que vous faites? Nous construisons un abri de jardin. Ce sera le plus bel abri de tous les temps. Pour que ce soit le plus bel abri de jardin, il faudrait un toboggan et aussi un balcon. Oh oui, vous avez raison. Une balançoire, ce serait bien. Et une salle de jeu. Je crois qu'il faudrait qu'il soit plus haut. Mais nous avons utilisé tout le bois. Alors, allons en chercher d'autres. Morphel, transforme-toi en camion belle. Morphel, change-toi en scieuse et va couper tous ces arbres. Jusqu'à l'abri.
Morphle. Maintenant, fais monter l'abri le plus haut possible. C'est mieux comme ça. Ah oui, c'est le plus bel abri de jardin de tous les temps. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Papa, que penses-tu de ton nouvel abri de jardin? Descendez-moi de là. Oh. Ah, bien sûr. On a oublié de construire une échelle. Ne t'inquiète pas, papa, on est sur le coup. Morphle, allons chercher plus de bois. Non, me laissez pas tout seul. Mila, Morphle, vous êtes toujours là? J'adore vraiment me déguiser. Morphle, change-toi en armure de chevalier. Voilà la pirate. Et moi une sorcière. Et moi un dragon. Oh, vous êtes drôlement bien déguisé. Bon, ne mettez pas trop de bazar pendant mon absence, hein. Je viens de nettoyer la chambre. Oui, papa, ne t'inquiète pas. D'accord, à tout à l'heure. Je suis un chevalier. Je protège les citoyens de mon royaume. Chevalier Mila, s'il vous plaît, aidez-nous. Il y a un terrible pirate sur les quais. Oh non! Bien sûr que nous allons vous aider. Allons attraper ce pirate, Morphle. Ah! Je suis Agnès, la pirate. Je suis la plus féroce pirate du monde. Arrête ça tout de suite, pirate. Hein? Je suis le chevalier Mila et je vais t'attraper. Oh non, tu ne mourras pas. Oh non, Morphle, il me faut une épée. En garde. Oh non, tu m'as eu, chevalier Mila. Mais j'ai un navire pour m'enfuir. Waouh. Poursuivons cette pirate. Morphle, ajoute des fusées à mon armure de chevalier. Oh non! On te tient, Agnès la pirate. Je suis un dragon. Et maintenant, je vais mettre le feu à ton bateau. Ah, Morphle, change ton épée en bouclier. Un barbecue volant. Pirate, allons attraper ensemble ce dragon. Oui, je vais lui tirer dessus avec des bombes à eau. Nous devons
mais comment? J'ai une bonne idée. Vous avez vaincu la sorcière la plus puissante du monde. Ouais. Oh non! Mila, Murphle, je venais juste de nettoyer la chambre. Oh oh! Nous vous attraperons toujours, alors vous devriez arrêter de faire des choses méchantes. Ah. Si seulement nous avions notre propre Murphle. Regarde, Stan! Hey, Murphle! J'ai une idée! Un songe? Rends-moi mon appareil photo! Oups. Est-ce que c'est pas génial? Quoi? Comment est-ce que vous êtes sorti de prison? Ah, pas dans ma ville! Oh non! C'est l'officier Freeze! Pas de problème! Murphle, transforme-toi en dinosaure! Un T-Rex! Oh non! J'ai pensé quand même que tu allais être un peu plus gros, dinosaure! Bah, mais c'est quoi ça? Oh non! Tu aurais pu empiler les voitures un peu mieux, Murphle. Murphle, transforme-toi en hélicoptère. Merci, Murphle. Les bandits et leurs singes ont mis mon appareil photo là-haut et ils se sont enfuis. Les bandits se sont enfuis avec un singe? Nous devons les poursuivre, Murphle. Les bandits ont utilisé une grue pour faire ça. Ils avaient aussi une grue? C'est vraiment étrange. Merci, Murphle. C'est Mila et Murphle. Oui, mais nous avons Murphle. Transforme-toi en quelque chose de grand. On pourrait pas avoir des sièges ou quelque chose? Oh! Tu t'es transformé tellement vite que nous avons failli tomber. Fais attention. Tu ne peux pas aller un peu plus vite? Notre espace est beaucoup trop petit. Yeah, donne-nous un peu plus de place, Murphle. Encore plus spécial.
faire un ruisseau d'eau en forme d'anneau. Oh waouh, c'est super cool! Sautons dedans! Jusqu'à la balle. Nager sur terre, ça alors. Morphle, ah. Hey, Mila et Morphle, quel super animal de compagnie magique tu as là. C'est Mouillette. Et il peut créer des rayons d'eau les plus géniaux. Oh, bah c'est génial ça. On pensait aller chercher des glaces en ville, mais ça serait beaucoup plus cool d'y aller en surfant. Hé, Mouillette, voudrais-tu créer un ruisseau d'eau à travers la ville? Salut le chien! Oh, et bonjour madame! Oh, ça a l'air si marrant! Mila, peut-on se joindre à vous? Bien sûr, Mouillette, peux-tu les prendre? Oh, c'est en fait vraiment très rigolo. Arrêtez-vous, les bandits! Mouillette, peux-tu déplacer le ruisseau près de la route pour que nous puissions les attraper? On doit vite s'en aller, Stan. En effet pas. Notre panier voiture est cassé. On dirait que vous êtes coincé. Vous devriez profiter du voyage. Quelle journée ennuyante. Je n'ai toujours pas eu un seul client. Assez de glace, car nous avons tous vraiment très faim. Eh oui, oui, bien sûr. Et j'ai tout un tas de parfums différents. Citron, fraises, chocolat, banane, yaourt, ananas. Et voyons voir, mon parfum préféré, bois. Si vous voulez quelque chose. Vous nous avez encore attrapé. J'ai aussi de vous allez nous emmener en prison maintenant. Et je fabrique tout ça. Eh bien, oui. Alors, si vous aimez, j'ai mais aussi de voudriez-vous une glace d'abord? Et si vous aimez la vie épicée, nous avons un parfum piment surprise de la mort. Oh, ce parfum va vous dégager les sinus, croyez-moi. Mister Action! Mila et Morphle, vous avez fini de ranger votre chambre? J'attends pour la nettoyer. Pas encore, papa. Morphle, transforme-toi en pelleteuse pour ranger nos jouets.
faire mon projet artistique pour l'école et il est à rendre demain. Faisons-le ensemble, Morphel. Transforme-toi en pinceau. Mila, Morphel, vous voulez jouer? Je dois faire mon projet artistique et... Morphel joue! Peut-être juste pour un moment. Oups! Regardez ce que vous avez fait, les enfants! Mon jardin est tout en désordre. Pourriez-vous me balayer toutes ces feuilles, s'il vous plaît? Désolée, oui, Monsieur Vent Debout. Transforme-toi en balai pour balayer les feuilles, Morphel. Mila, Morphel, j'ai besoin de votre aide. Il y a une urgence dans la ville. Je ne sais pas qui aider en premier. J'aimerais pouvoir tous vous aider, mais il n'y a qu'une seule Mila. Mais il peut y avoir plus de Mila grâce au pouvoir de dédoublement de l'animal magique Doubleur. Doubleur, s'il te plaît, multiplie-moi en 1, 2, 3, 4 fois. Ah, pas dans ma ville. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de vol de gâteau. Ah, Mila, Morphel. Content que vous soyez là. Pouvez-vous livrer ce magnifique gâteau à la maison d'Hugo, s'il vous plaît? Bien sûr. Doubleur, peux-tu me doubler à nouveau, s'il te plaît? Transforme-toi encore en voiture de police, Morphel. Allons livrer ces gâteaux. Transforme-toi en voiture de l'espace. Hein? Attends! Voilà! Merci beaucoup. Tes dents sont en parfait état. Et assure-toi de te brosser les dents 2 fois par jour. Sommes-nous prêts à passer au prochain animal de compagnie magique? Mais certainement. Transforme-toi en ambulance, Morphel. L'équipe dentaire d'animaux magiques de compagnie à la rescousse. Êtes-vous prêts à vous faire examiner les dents, les petits? Pas de problème ici. Tout va bien. Maintenant, il ne reste plus que les animaux magiques de l'animalerie, n'est-ce pas? Tout à fait. Et nous aurons fait tous les contrôles. Allons-y, Morphel. Ça a l'air bien. Qui est le suivant? Alors, voyons voir. Oh, mon pauvre! Tu as une carie. Ne t'inquiète pas, c'est pas bien grave. Je peux la réparer avec ça. Hé, attends, mon grand! Oh non! Il est tout effrayé!
Nous devons l'arrêter avant qu'il ne soit blessé. Morphel, transforme-toi en cheval. Drop, le dentiste n'est pas effrayant. J'ai ce truc. Oups, ah, désolé. Transforme-toi en dragon. Arrête de courir. Ce n'est vraiment pas si terrible. Oh là là, mais comment? Comment allons-nous l'arrêter? Nous avons besoin de quelque chose qui peut nager très vite et qui est assez fort pour arrêter son bateau. Morphel, transforme-toi en crocodile! Maintenant, arrête le bateau, Morphel! Je suis désolé de t'avoir fait peur, mon grand, mais il est très important de traiter cette carie. Ça ne te fait peut-être pas mal maintenant, mais si tu ne fais rien, ça te le fera dans le futur. Ok, Morphel, tu peux lâcher maintenant. Morphel? Morphel a mal à une dent. Oh mon Dieu, laisse-moi voir. Il semble que tu aies aussi une carie, Morphel. Oh! Mais tu n'as pas peur du dentiste, n'est-ce pas? Retournons à ma clinique. Et voilà comme neuf. Et comme vous avez été tous les deux très courageux, un petit cadeau. Ces enfants sont tellement bruyants. Mais est-ce que ce serait pas Orphel? Tu ne voudrais pas m'aider à faire quelques farces à Mila et Morphel? Maintenant, Orphel. Je pense que je sais ce qui se passe. Écoute, Morphel, j'ai une bonne idée. Regarde, Morphel, tu pourrais écraser leur joli château de sable. Ouais. Mila,
Nous sommes désolés d'avoir été si bruyants, Monsieur Vandebouze. Nous ne le ferons plus jamais. C'est bon. Je suppose que je peux retourner arroser mon jardin. C'est étrange. Maintenant, je suis tout mouillé. Mais que se passe-t-il? Mais d'où venez-vous? Oh non! Arrêtez de pousser! Maintenant, mon jardin ressemble à une jungle! Un tigre! Mais c'est vraiment devenu une jungle! Bonjour, Mila et Murphle. Vous avez reçu un appel. Oh, qui est-ce? Hé, hey, Mila et Murphle, c'est moi. Les marchands de glace? C'est moi, les marchands de glace. J'ai trouvé un nouveau parfum de glace délicieux. Mais je suis à l'autre bout du monde. Et il n'en reste qu'un tout petit peu. Oh non! Ne vous inquiétez pas, monsieur le marchand de glace. Nous viendrons à vous. Oh, c'est Orfel! Si jamais il arrive le premier au marchand de glace, il risque de manger toutes les glaces. Non! Ce ne serait pas un autre Murphel? Comment vais-je attraper des criminels sans ma voiture de police? Nous devons aider l'officier Freeze à récupérer sa voiture de police, Murphle. Ah, merci, Mila et Murphle. Hein? C'est qui est le plus rapide sur l'eau? Mais moi, oui! Transforme-toi en hors-bord! Bye-bye! Murphle? Oh non! C'est Orfel! Orfel! On dirait qu'Orfel est arrivé le premier.
toi manger toutes mes délicieuses glaces. Oh non! Nous arrivons trop tard, Morphle. Ne vous inquiétez pas, j'ai seulement fait comme s'il avait mangé toute la glace pour qu'il s'en aille. Il y a encore assez de délicieuses glaces pour toi, toi, monsieur le singe. Il y en a même encore pour moi. Merci, monsieur le marchand de glace. Célébrer la journée nationale des dinosaures, professeur Rachid a aidé la ville à organiser une extraordinaire course spéciale de dinosaures. Waouh, c'est trop cool! On doit le faire aussi, Morphle. Transforme-toi en T-Rex. Mais attendez, nous avons un autre candidat. Le gagnant de cette course remportera ce magnifique trophée. Tout le monde est prêt? 3, 2, 1, partez! Participe aussi à la compétition, Yann. Oui. Gagner cette course. Messieurs, dames, nous avons un gagnant! Voler des dinosaures, hein? Pas dans ma ville! Félicitations aux gagnants! Victoire.